Cher Monsieur le Rouge, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard, École de Sorcellerie. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée fin mars, début avril, en fonction du montage et de votre procrastination, nous attendons votre hibou dès que possible. Veuillez croire, cher Monsieur le Rouge, en l'expression de nos sentiments distincts. Minerva, directrice adjointe. Ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Hagrid, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto ? L'ai emprunté, professeur Dumbledore. Vous n'avez pas eu de problème ? Non, monsieur. La maison était presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir de là. Niché dans le ballot se trouvait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Puis vint un jour qu'il ne devait jamais oublier. Harry reçut une lettre qui l'invitait à... Je t'avais prévenu, hein, Harry ? Je t'avais prévenu que t'étais célèbre. Professeur Quirrell ! Harry, je te présente le professeur Quirrell, qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Quelle matière enseignez-vous, professeur ? La défense contre les forces du mal. Mais vous n'en avez pas besoin, Potter ? Vous êtes venu chercher vos fournitures ? Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Faut y aller. Nous avons beaucoup de choses à acheter. Viens, Harry. Trois vers le haut. Deux en travers. Bien. Recule-toi, Harry. Bienvenue sur le chemin de traverse. Il n'y a plus que ta baguette à acheter chez Ollivander. Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter. Vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. 25 cm 6. Souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, Monsieur Potter, si nous commencions, si vous voulez bien me suivre... Jetez un coup d'œil, Monsieur Potter. Si vous trouvez une baguette qui vous plaît, essayez-la, pour voir si vous lui plaisez aussi.
Ça y est, je peux jouer. C'était fort long. J'ai eu peur qu'à la fin de la cinématique, il nous dit « Et ainsi, Harry tua Voldemort, qui était en fait Quirrell. » Oh, spoiler! L'œil de Gentleman et compagnie, bienvenue dans mon univers Robe le Rouge. Pour vous servir, quel plaisir enfin de lancer ce let's play sur Harry Potter 1 sur PlayStation 2. Attention, pas de logiciel, on est sur une authentique PlayStation 2 poussiéreuse, manette filière, manette très petite, j'ai des grandes mains, c'est très étrange. On se lance directement dans l'aventure Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Et on est dans le rappel tout. Laisse ta baguette te choisir. Choisis-moi, baguette. Je suis Harry Potter. Ouh, ça pique les yeux. Vous allez avoir un let's play lissé, bien entendu, pour que ce soit en HD sur YouTube, pour le plaisir de vos petits yeux. Mais pas moi, et ça pique. Alors, bois de où est plume de phénix? Plume de phénix. Oh, tout hasard, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, Harry? Monsieur Potter, je peux pas l'essayer où je suis? Non, je suis obligé de monter sur la plateforme. Dans le sens du détail, Ollivander. Appuie sur carré, triangle ou rond. X. Je suis un rebelle, ça ne marche pas. Carré. C'est pas dégueulasse pour la PS2. Ouais. C'est un peu pixelisé, mais c'est pas dégueulasse. J'aime bien le style graphique. Voilà, monsieur. Étrange. Vraiment. Excusez-moi, mais qu'y a-t-il d'étrange ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. C'est pas vrai. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue. Car non. Non. Qui vous a fait cette cicatrice au front? Non. Oui. Pourquoi au front? Je sais c'est où est ma cicatrice, c'est pas obligé de préciser. Souvenez-vous. Qui vous a fait cette cicatrice sous le pied, vous savez, celle en forme de rond. Le contraire. On n'en parle pas dans les livres de celle-là. Vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terrible. Allez récupérer le livre de sort qui se trouve là. J'ai fini ton speech là. Il vous sera. T'as juste lu les livres en fait, tu sais que je vais faire des grandes choses. Je vais aller où? Pourquoi je suis dans la cave d'un vieux monsieur qui vend des baguettes? Ok. Par ici, Monsieur Potter. Tu t'es téléporté finalement. On va où? Rappelle-toi, obtiens les livres du sort Flibendo. Ouh la caméra, pour déplacer Harry sur des rebords ou des passages étroits, place le dos au mur. Ouais, ça marche, c'est bien foutu. Les dragées surprises de Bertie Gauchus se trouvent dans toutes sortes d'endroits utilisés pour faire des achats dans la boutique de Fred et Georges dès ton arrivée à Poudlard. Qui sont Fred et Georges? Qu'est-ce que Poudlard? Je viens d'arriver, je ne comprends pas. À l'herbe. Au cérumen. Bag ou sida. Dégueulasse. En plus, ça manque de sel. Je saute. Sauter par-dessus des fossés, t'as le coup. Oui, ok. Putain, quel grand sportif ça, oui. Régler la caméra avec L1. Découvre les touches tranquillement, là, les gars. Ça fait longtemps. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait il y a très longtemps. À l'époque où la PS2 n'était que la dernière console sortie. Saute, Potter, saute! Shoot Bruxelles. C'est bon de pas griller. C'est vrai, bah arrête de manger des bonbons, ils sont dégueulasses ces trucs. À la marmelade. Allez. Au chocolat triple. On esquive les baguettes qui essaient clairement de me tuer. Au café. Tu vas faire ça tout le jeu, Harry? Au chocolat. Au chocolat. Bah, moi aussi, je vais faire tout le jeu. Oh, il y a des dragées en bas. Bon, putain, il y avait une échelle, non? Ouh, le saut, frère, ça c'est un script, quoi. J'ai vu l'échelle tout à l'heure. Je saute.
Ok, allez, allez. Ah oui, on recommence au début. Ah, dur. Mais c'est pas grave, on va faire le 100%. Nous voulons tout acheter dans la boutique de Fred et Georges. Et pour ce, retrouver nos dragées, ils sont là. Harry peut monter et descendre des échelles. Waouh, quel génie! Il fait du parkour, regardez, il s'est monté une échelle. Il se fout un petit peu de ma gueule, non? Sot pocha! Sot pocha! Dos au mur. I. Top! Et du coup, je vais apprendre un. Non! Aïe! On a encore eu de la chance. Ok, nickel. Là, on refait le saut le plus long du monde. Attends, caméra, s'il te plaît, devant. Merci. Alors, le saut le plus grand du monde. À ce niveau-là, il vole. Hein. On va pas se mentir que c'est ça, la vraie magie dans le jeu. Je peux prendre les livres? Du coup, j'apprends un sort en lisant un livre. Je dois pas aller à Poudlard pour faire de la magie, normalement. Ouais, c'est bien fait. Pas mal, hein? Bravo! Très bien! Ah, vraiment très bien! Merci, vieil homme. Bon travail, monsieur Potter. Merci, vieil homme. Puis-je partir dorénavant? J'aimerais bien retrouver tonton Hagrid. Lorsque vos pouvoirs magiques okay, augmenteront, je vais finir ton pitch. Vous pourrez lancer des sortilèges de Flipendo plus puissants. Ok, ça marche. Tu as gagné un nouveau sortilège de Flipendo. Signe-le, carré, triangle, rond, en appuyant sur le rappel tout, bla, 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 bla. Carré. Allez. Carré, c'est Flipendo. J'espère que tu m'accompagnes à la sortie parce qu'il faut pas trop se foutre de ma gueule. Je suis juste venu acheter une baguette, mais on est d'accord. Hein. Au secours. Ah. C'est quand même très sombre par moment. J'espère que la vidéo va être assez qualitative. Que vous voyez quelque chose. En utilisant ton Flipendo, tu peux briser certains objets, comme par exemple des pots en verre. Genre ça. Oh, il vient d'où ça là? Ok, je casse des pots que je vois. Ok. Qu'est-ce que c'est? Garde un œil sur les boucliers de Flipendo. Lorsque tu lances un Flipendo, toutes sortes de choses peuvent arriver. Mes parents vont ressusciter, c'est sûr. Rampé. Je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y a, d'accord? On prend notre temps sur ce petit let's play. De toute façon, c'est un épisode tous les mercredis. De nouveaux cas sont dissimulés dans Poudlard. Je ne suis pas à Poudlard. On le rappelle, retrouvez tous pour obtenir des objets. Ok. Les coffres en leur conscience de précieuses récompenses. Oh, Pulp Fiction. Une carte de sorcier célèbre. Une carte de sorcier. Félix l'abeille, inventeur du sortilège d'allégresse. Il y en a combien à voir? Attendez. Une sur 101. Bah, je vous préviens tout de suite, on va choper les 101. Ah, il n'y a pas. C'est comme ça. On ne se lance pas dans un let's play Harry Potter en faisant qu'à moitié. On va avoir les 101 cartes de sorciers et de sorcières célèbres. Je vous préviens. C'était quoi ça? Ah, je peux fouiller dans l'armoire du... Ok. Bon, bah, je fouille tes affaires. Ollivander. À la sardine. Oh. Je sais pas depuis combien de temps il est là ce bonbon, mais il doit plus être très. Très sucré. La sardine a pris le dessus sur la gélatine, je pense. À la noix de coco. Allez, on continue de fouiller. Allez, 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 allez. Bah, à l'herbe. Les couleurs ne correspondent pas beaucoup au goût. Rouge à l'herbe, là c'est vert, c'est quoi, ketchup? Ok, en plus c'est double surprise quoi. Allez. Mes parents vont ressusciter, j'ai appuyé sur le flip and down. Pas du tout. La porte s'ouvre. Moi je peux partir de cet endroit et aller rejoindre Hagrid et peut-être même aller à Poudlard vu que c'est Harry Potter. On ne sait pas. Oh. Pour le prochain enfant qui se perd dans mon donjon. Ces trois grands boucliers peuvent être retournés à l'aide du sortilège de Flipendo. Retournez-les dans le bon ordre pour ouvrir la porte. Oh, vise un objet, appuie sur R1. Ok, cool.
coup, je dois faire quoi? Je dois juste taper les boucliers? Voilà. Il ne faut pas toujours la réponse. Chercher la réponse en face de vous. Tu veux dire que je dois fouiller les armoires? Fouiller. Oh! Un bonbon. Au café! Au café! Au bon café grand-mère! Oui, j'ai compris, merci. Je suis en train de fouiller pour avoir des bonbons. Aux crottes de nez! Aux crottes de nez de grand-mère! Tout est à la façon grand-mère. À la cyprine! À la cyprine de grand-mère! Pardon. On s'arrête là. On s'arrête là. Je peux monter là-dessus? Non. Du coup. Un, deux, trois. Ok, il faut faire de haut en bas. Mais je veux pas viser lui, je veux viser un autre du coup. Là. Ok. Là. Ok. Voilà. Un nouveau sort déjà. Voilà, je vais apprendre le Abracadabra. Prendre le livre. C'est un folio outil, le livre des créatures, écrit par Norbert Dragono. Ce livre t'informe du nom et de l'apparence de toutes les créatures, blablabla. Bla, 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 bla. Le Corrigan. On confond parfois les Corrigans avec les lutins, ils ont le même taille. Et leur sens du monde n'est pas non plus toujours très fin. Les Corrigans sont des créatures petites mais cruelles. Ok, et alors? Je suppose que tu vas m'envoyer des Corrigans pour essayer de m'assassiner, vu que je suis un élève de première année qui n'a jamais fait de magie, qui venait juste acheter ma première baguette, heureux de quitter le monde des moldus et mon horrible famille. Me voilà à devoir tuer des lutins en slip. Bonjour. Je me doute bien, je connais qu'un sort de toute façon. Puis ramassez-les et enfermez-les dans les cages. Oh, c'est super cruel. Oh, mes animaux de con. Oh, Qu'est-ce que vous allez faire? Comment il m'a agressé, vous avez vu ça? In the cage. Est-ce que je peux monter sur la cage? Putain, il y a forcément un truc là-haut. Ça serait con d'avoir fait un énorme trou dans le mur si on peut pas monter. On peut forcément monter. Oui. Oh, coffre en or. On est d'accord, c'est clairement une référence à Twitch. Une carte de sorcier. Oui. Une carte de sorcier. C'est qui? Alberta Toutil, vainqueur de la compétition mondiale des duels de sorciers en 1430, connu pour avoir vaincu le favori Samson Wimblin avec un sortilège d'explosion. Il est mort. Il a explosé. Allez, on va chercher le deuxième coffre et peut-être une nouvelle carte. Non, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut là-dedans? Un fondant du chaudron. Un fondant du chaudron qui m'a rendu ma vie. Et là, une pâte à citrouille. Une pâte à citrouille. Je sais pas ça fait quoi les pâtes à citrouille, mais sûrement qu'on nous l'expliquera plus tard quand on en aura besoin. Continuons notre chemin. Pardon. Directement de gorge. Encore? Putain, mais tu veux pas me laisser partir de ta boutique, espèce de taré? Oui. Pour apprendre un sort en bougeant de section centrale sur le sauf qui est ça marche. Bourrine avec du flipendo donc. Pour te déplacer autour d'une team, maintiens la commande de viser 1 et tourne. Ok, ça marche bien. Ah, je peux bourrer. Le poteau il tourne plus vite que moi. Ah, c'est fini. Ça va, il commence à me semer. Beau travail, monsieur Potter. Merci, monsieur Ollivander. Je peux partir.
Putain, le mec il doit se perdre dans sa maison, c'est un enfer, dans sa boutique. Est-ce qu'il y a, tu vas lancer des bêtes encore? Prendre. Je te vole ton livre, c'est à moi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire, vieillard? Celui qui vous permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre pour vous concentrer la puissance de votre baguette. Manchin a commandé d'avancer quand son sort quand il est prêt. Ok. Mais prenez garde à ne pas trop concentrer votre sortilège, car ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Bon, Harry, je suis mort, j'ai disparu. Ah, j'aurais pas. C'était bizarre. Harry a disparu. Je veux concentrer les flippendo. Ok, vas-y, allez. Comme ceci. Flippendo. On peut le faire un seul coup, c'est genre faut être ultra skillé comme Ollivander. Je peux essayer de le faire un seul coup. Hein. Bon, ça va, c'était pas mal, j'ai bien visé quand même. C'était difficile de mal viser. Il y a quoi au haut des étagères? Vous pensez que je peux fouiller toutes les étagères autour là? Juste pour avoir des bonbons poussiéreux qui ont collé sur le sol depuis. Oh merci! Je t'aime, vieillard. C'est qui? Sans une carte de sorcier, oui, j'ai vu ça. Godric Gryffondor, cofondateur de Poudlard, donna son nom à l'une des maisons de l'école. Devinez laquelle? Indice. C'est dans le nom. Avez-vous trouvé? Il y a trop d'étagères, faut fouiller. Non! Non, il est bonbon sale! Non! Hey, Harry! Ah! Bon anniversaire, Harry! Elle est magnifique! Quel est son nom? Elle s'appelle Edwige. Et elle est à toi. Merci, Harry. On fait mieux d'y aller maintenant. Le Poudlard Express part bientôt. Il faudrait pas que tu le manques. Oui, tous au Poudlard Express. Le train ralentit et finit par s'arrêter. Ils suivirent Hagrid jusqu'à la rive d'un immense lac noir. D'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, jusqu'à ce que... C'est dément, je peux jouer ou pas hein? Je l'ai pas vu moi le train. Dans leur maison. Et qu'advint-il de Harry Potter? Pas un serpentard, pas un serpentard. Ah ouais, ok. Pas un serpentard. On se fait griller toute l'histoire, après il nous montre le château. Tu as d'immenses qualités, d'accord. Je le vois dans ta tête. Non? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Gryffondor. Salut. Qui es-tu? Je m'appelle Ron Wesley. Bonjour, je Ron Wesley. Je suis un Gryffondor, moi aussi. Pas très surprenant. D'accord. Tous mes frères sont un Gryffondor. Dis, tu sais pourquoi le professeur Dumbledore a interdit l'accès au troisième pas étage? Pas du tout, je ne connais pas Dumbledore, je ne sais pas où je suis. On doit suivre. Bonjour, ce qui es-tu? C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Il aurait au moins pu nous le dire à nous, les préfets. Ce préfet, c'est Percy, mon autre frère. Combien de frères as-tu? Beaucoup trop. Ah, au fait, beaucoup je trop. M'appelle Hermione. Mes parents n'arrêtent pas de niquer. Je m'appelle Ron Wesley. Salut, Ron. Tu as quelque chose sur le nez. Hein? Harry Potter, je présume. Je sais tout. Ok, c'est génial, parce que moi, je sais pas grand-chose et j'aimerais bien jouer, en fait. Mais on n'a rien fait de mal, pourquoi on doit partir? Et c'est qui, Ruzard, d'abord? Suivez-moi, les Gryffondors. Ne traînez pas. Ok. On arrive Percy Weasley. Viens Harry, on ferait mieux de suivre Percy dans la salle commune de Gryffondor. J'arrive. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît, par ici. Bah, j'aimerais bien, mais on ne laisse pas jouer. Ah, je peux jouer. Il y a plein de monde. Et vous êtes tous petits, avec des premières années. 0. Bah oui, ça a commencé que maintenant, c'est normal. Salut. Moi, je parie que les canons de Chudley finiront. C'est qui les canons de Chudley? Je viens d'arriver, je ne connais rien. Désolé. Y a pas que le Quidditch, le Quidditch je ne sais pas c'est quoi. Je connais le football et le cricket. On se connaît? Mais oui, bien sûr. Non, on se connaît pas, le non. Célèbre Harry Potter. C'est parce que je suis célèbre que je te connais partout de là, fanboy. On y va les roues. C'est le chemin le plus court pour se rendre au dortoir. Ah, au fait, méfiez-vous des escaliers.
ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'en font qu'à leur tête ? Ils n'ont pas de tête. Waouh. Oh, hey, c'est joli. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est vachement beau pour la PS2. 7e étage, Gryffondor. Je connais, j'ai vu les films, j'ai vu les livres. Oh, je peux envoyer des sorts, je peux toucher les gens ? Non. Dommage, j'aurais bien tué quelques serpentards dans les couloirs. C'est Peeves. Peeves ! L'esprit frappeur. Il est pas dans les films, mais il est vraiment dans les livres. L'esprit frappeur, Peeves. C'est le pote de Fred et George. Là, les petits nouveaux, on va bien s'amuser ? J'aime bien. Je sais pas c'est quel doubleur qui fait sa voix, mais... Sinon, le baron sera prévenu, et je ne plaisante pas. Il faut faire attention à Peeves. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, ils ne nous écoutent pas. Ok. Allons-y, Percy. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je peux par ici. Non, je... Ah si. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Damien, t'as quelque chose à me dire ? Allez, Harry, va dans la salle commune. Toi, vas-y. Allez, Harry, va dans la salle commune. Toi, vas-y. Allez, Harry, va dans la salle commune. Toi, vas-y. Allez, Harry, va dans la salle commune. Monte les gueules. Par ici, Harry. Mais fermez-la, quoi, bande de PNJ. Nous sommes dans la salle commune. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. C'est quoi cet endroit là ? Normalement, la grosse dame, elle est dans les escaliers, hein. Grosse dame ? Tu es sombre, Hermione. Et toi aussi, Percy, putain. Le mot de passe. Caput Draconis. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans la salle commune. Cette année, c'est Caput Draconis. Je suis incollable. Incollable. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Merci, grosse dame. Allez, on y va. C'est plutôt bien fait, j'aime bien. Merci, Harry. Je t'en prie, Ron, ça me fait grave plaisir. On y va ? Ouais ! Mais c'est moi qui ai donné le mot de passe, pourquoi tout le monde rentre et moi on me ferme la porte à la gueule ? Caput Draconis, connasse. Caput Draconis. Je suis un peu violent aujourd'hui, désolé, mais il m'a fermé la porte au nez, quoi. Merci bien, grosse dame. C'est énorme. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Ça m'intéresse wow. pas. Il faut que j'y aille. Où sont-ils ? Mais non, mais on va pas aller. Cette porte et traverse la salle de lecture. Bon, il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe ? Groin de porc. Groin de porc. Et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Ouais, il travaille 23 ans. Sois très prudent et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Et toi, tu viens pas, Ron ? Tu sers à rien ? Bon, allez, on va aller voir Fred et Georges. Fred et Georges Weasley, que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs, mais sûrement qu'ils vont me connaître. Pensez discrètement, regarde légèrement le stick anapchique. Je suis silencieux. Si ça change vraiment quelque chose, tu peux avancer discrètement en restant collé dos au mur, ouais, comme pour les creux. Viens là. Oh, bah ça a pas très bien marché d'être silencieux. Hey. Hey. Groin de porc. Groin de porc. Merci, Percy, tu es d'un excellent préfet. Tu fais très bien ton travail et Dumbledore a eu raison de salut, te choisir Harry. En tant que préfet pour Gryffondor. Quand tu viendrais nous voir. Je vous ai jamais vu, voici c'est quoi cette boutique. Coupe au bol ignoble. J'adore vous êtes qui ? Il y a notre grand choix d'articles de sorciers et nos marchandises magiques. Tout est à un prix très raisonnable. Tu devras régler tes achats c'est dans sûr la que seule c'est légal. Monnaie acceptée à Poudlard. Les dragées surprises de Bertie Crochu. Pour seulement 10 dragées, tu peux plonger ta main dans ce coffre magique et recevoir une belle récompense. Mmh. Wow, il faut que j'essaie ça. Ouais, wow, ça a l'air marrant, pas du tout envie d'essayer ça. Mis ta main dedans. Jette un coup d'œil, Harry. Et si tu veux acheter quelque chose, demande-nous. Ça marche, Fred. Il y a un F sur ton pull pour pas que vous oubliez. Oh, une carte. C'est qui ? Combien coûte la carte d'Edgar Strolger ? Ça coûte combien ? Ça 30 dragées. J'achète. J'ai 48 dragées. Mmh.
m'en fous, j'achète. Edgar Strudger, inventeur du stéthoscope. Trop bien. Vous avez notre carte à vendre ? Une carte de Bertie Crochure, une édition limitée. Ça fera 50 dragées. Oh, 50 dragées, c'est au moins un diabète ennemi, ça. C'est quoi ça ? Bon, pas, c'est nul. Ça coûte 20 dragées. Les bombes à bouse font des farces géniales. Mais écarte-toi vite. Je veux pas savoir. Moi, je veux les cartes. Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. Ça tombe bien, c'est la bombe à bouse. Ça fera 30 dragées. Ok, de toute façon, je vais pas essayer, je me casse. C'est pas par là. Tiens. Un petit coffre. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Oui ! Je suis heureux premier degré, je veux toutes les cartes de sorciers célèbres. On a qui ? Chauncey Aldridge, première victime connue de la varicelle du dragon. Pas de bol. C'est désagréable. C'est tout ? Il n'y a plus rien ? Bon, ça fait un plaisir, messieurs. Je vous dis à la prochaine. Je reviendrai pour acheter les cartes, mais... Merci. Mais vas-y, mais je sortais là, tu me regardes dans les yeux et tu m'attaques. Bon, soit. Est-ce que c'est un jeu, à chaque fois que je vais sortir, je vais le croiser direct et je vais devoir courir comme un dératé ou... Non, ça va. Viens là. Non. Dang, ma one shot à travers la table, quoi. Laisse-moi retourner au dortoir. D'ailleurs, pourquoi tu me remets dans les chiottes? Pourquoi tu me remets pas au dortoir comme tout préfet aurait fait s'il avait un minimum d'éthique et de bon sens? Toi, tu n'en as pas du tout. Oh, ok. Bah, ok, non, mais vas-y. Je veux pas que j'atterris dans tes bras directement. Au pire, lance le sort et moi je fonce dedans quand je sors du portrait, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux rentrer chez moi ou pas? Non mais j'hallucine de ouf, quoi. C'est bon. Ouvrir la porte. Oh là là, la journée a été longue, Harry. Je suis crevé. Je crois que je vais aller me coucher. Ok, Ron. Attends-moi, j'arrive. Je vais enfiler mon plus beau caleçon et j'arrive tout de suite. Voici la salle de Gryffondor. On voit pas grand chose, ça c'est sombre. Mais en même temps, c'est la nuit. Eh oui, car la nuit il fait sombre. Comment c'est où que je dois aller? Je suppose que je dois aller me coucher avec Ron. Lorsque tu as rempli tous tes objectifs du moment, l'option finir journée ou terminer la nuit s'affiche dans ton rappel. Tout, tu peux alors continuer à explorer les environs ou valider cette option pour commencer l'aventure suivante. Est-ce que j'ai envie de... Attends, laisse-moi au moins voir le dortoir, quoi. Y'a rien à voler? Je saccage tout. Ok, on va mettre fin à la première journée. Et au premier épisode, le timing est assez bon. On se retrouve dès mercredi prochain pour l'épisode numéro 2 de Harry Potter avec les sorciers sur PlayStation 2. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Et... bisous! Waouh! Cette vidéo était extraordinaire! N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.